Je vais plus fort coco. J'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit. Je me réponds plus. T'as dit quoi? T'inquiète toi. On y est. Les gars, pourquoi je viens de la radio criminelle? Personne parle. Sauf en cas d'urgence, mais sinon ouvrez pas votre bouche pour rien les gars, s'il vous plaît. Gâcher notre relation. Tout ça pour faire ta gueule coco. Ils sont là, Tony? Qui tu parles? Mon frère, ça klaxonne. Franck! Oui. Viens que moi, je dois te parler vite vite, extrême urgent, viens. T'as la marque quoi de fermer? Rentrez les voitures, ça passe, rentrez les voitures. Je vous avoue dans 30 secondes, monsieur. Hein. Viens Franck. Maman, viens. Viens Franck, très important, très important. Écoute-moi bien, Asvald, écoute-moi bien, j'ai une mission très importante. Tu vas te mettre devant l'entrée du quartier, ok? Oui. Il y a la dame en noir, il va arriver, mais... faut que personne soit au courant, ok? Oui. Tu lui dis que le milieu vient d'arriver et qu'ils sont arrivés à l'improviste et que tu vas la cacher en attendant que le milieu il part, ok? Tu veux que je l'amène ici, de ce côté? Tu la caches dans ta voiture et tu attends quelque part en voiture à proximité du quartier, ok? Très bien. Dès qu'on a fini avec le milieu dans 10-15 minutes, je m'occupe d'elle, ok? Très bien. Donc il faut surtout que le milieu ne se rende pas compte qu'elle est là, ok? Je compte sur toi, Marman. Fais bien gaffe à toi. Je vais faire tout tu te postes devant l'entrée, tu l'interceptes dès qu'elle arrive, ok? Oui. Tu la laisses pas rentrer, tu lui dis venir vite dans ta voiture. Oui, mais ok. Regarde mon retour, il y a un problème. Je recule. Prends ta voiture, vas-y.
Excusez-moi. Oui, excusez-moi, pardon, je... Non, aucun problème, aucun problème. Désolé, dites-moi. C'est juste pour savoir où est-ce qu'on peut rentrer notre véhicule. On fait partie de la bande qui vient de rentrer. Vous êtes à 2 milieux, vous? Ouais, ouais, exactement. Ah, bougez pas, je vous dégage là-bas. Merci beaucoup et désolé. Pas de problème. Bonsoir madame, je vous en prie, montez. Il est très occupé ce soir-là, donc. Oui, oui, le milieu s'est invité un petit peu à la piste. Il m'a demandé de vous mettre en sécurité. Je vais te accomplir ce qu'on m'a demandé. Dès que je reçois un appel radio, je vous remanierai là-bas. D'accord. En tout cas, si je peux me permettre, vous êtes fort élégante. Merci, c'est gentil. Par contre, tu m'avais prévenu que si vous faisiez du charme, je devais... Je ne me permettrai pas. Je fais simplement un compliment. Je c'est gentil. Je ne me permettrai pas, chère dame. Vous êtes son bras droit, c'est ça? Je suis son consigliere. J'espère que vous effectuez bien vos tâches. Ah, je fais mon travail correctement. Ah, c'est très bien. Il faut être fidèle à son patron. Ah, oui. Surtout que c'est mon frère. Il y aurait un problème si je trahirais. Ah bah, en plus.
tout le monde ne soit pas adepte de la discrétion dans la ville. Pourquoi vous dites ça? Oh, je sais pas. Il y a des gens qui ont des moteurs qui font beaucoup de bruit. Ah oui. Oui. De la pègre dans ma caisse. Sinon les affaires en ce moment tournent bien. Écoutez, de notre côté, aux dernières nouvelles, tout se passe bien. Bon, tant mieux. Les hommes travaillent comme il faut. Je vois que vous vous montez bien, normal. Ah, ça, vous savez, j'ai mis toutes mes économies dedans. On parlait de la voiture. Oui. Oui. J'ai mis toutes mes économies dedans. J'aime bien le cri rouge comme ça. Ah, je vous remercie. J'aime beaucoup aussi. Bon, malheureusement, il est un petit peu rayé parce que la place, comme la place à la maison, c'est serré pour se garer. Ah oui, oui, en effet. Oui, un peu serré. Ça m'attriste beaucoup de l'avoir dans cet état. Et oui, j'avoue que j'en suis très content. Oui, oui, très belle. Au maximum sur la route de celle-là. Mais j'avoue qu'en ville, ça danse sur la route. Ah bah, c'est pas en ville que vous allez l'essayer. Hein. Ah non, c'est sûr. Faudrait l'essayer un soir qu'il n'y avait pas trop de monde sur l'autoroute. C'est ça. Moi, j'irai boire un petit coup au pub irlandais à l'occasion. Ce sera l'occasion de la pousser un petit peu sur l'autoroute. Ah bah, l'occasion, faudra m'inviter. Hein. Oh, écoutez, avec plaisir. Avec Tony, bien évidemment. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Je lui laisserai l'honneur de vous inviter. Ah, c'est gentil. S'il y pense. Oh, je le connais bien. Je pense que... Oui. Il y pensera. Vous savez s'il en a pour longtemps? Je peux poser la question, mais je suis pas sûr d'avoir une réponse. Est-ce qu'il y en aurait encore pour longtemps, s'il vous plaît? À titre informatif, bien évidemment. Et c'est le silence radio. Il n'est pas en danger, au moins. Comment? Il n'est pas en danger. Tout est sécurisé pour lui. Non, il n'est pas en danger. Il n'y a pas de raison qu'il soit en danger. Mais... on ne sait jamais, hein. Vous pouvez aller voir au prix, hein, si vous voulez. Je ne vais pas vous laisser... Je vais pas manquer à mon poste, vous laisser tout seul. Ce serait malvenu. Ah non, non, mais je reste avec vous. Hein. Je suis armé, hein, de toute façon. Oui, oui, ça, j'en doute pas. C'est juste que mon frère m'a demandé à ce que le milieu ne soit pas au courant de votre visite. Vous voyez, c'est pour ça que je suis venu me garer là. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est vrai, ils sont aussi de la partie. Et moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils se sont invités. Mon frère m'a demandé de faire en sorte à ce que le milieu ne sache pas que vous veniez nous rendre visite. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu branles? Tu bouffes de la sauce ou quoi? Ah putain, ça fait le bruit d'un pot de sauce. Ça fait balise. Putain, j'aurais le temps d'aller fumer un putain de joint là. C'est long, sérieux. Surtout que. Là, je bouffe mon seum là. Mais j'ai madame de la pègre dans la bagnole. Patronne de la pègre. Surtout, tu touches pas au premier bouton, c'est mon truc qui m'empêche tout de bulk. J'ai la voiture un peu niquée, mais. J'ai vu à l'avant, ouais. Tu vas voir les gueules caressées au quartier, frérot. Tu vas péter ton casque aussi. C'est le merdier pour se garer. C'est ça? Hein? Ouais, c'est long, c'est chiant. Pourquoi il a... vous attendez quoi en fait? J'attends que l'autre organisation qu'il y a chez nous se casse pour que je puisse, elle, la ramener. C'est Bobby qui m'a demandé de l'intercepter quand elle arriverait et de la sécuriser. On roule pour essayer de vous faire kick. Hein? Ça devrait aller, je pense. Je suis pas AFK, je bouge ma souris. Non, mais c'est eux, ils le voient pas. Non, le personnage bouge la tête, donc il est pas juste fixe. Ça devrait aller. Ah, j'ai fait un mouvement. Frotte 7. De quoi? Frotte 5G. Ouais, frotte 5G. Tout se passe bien? Écoutez, pour le moment j'essaye de prendre des nouvelles. Pour le moment tout se passe bien, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. J'essaye de prendre des nouvelles pour que ça se dépêche un peu quand même. Il est inconvenant de... Je comprends, hein, c'est les affaires. Ah oui, ça a beau être les affaires, ça reste inconvenant de faire attendre une dame. Ta gueule. Vous permettez que je l'appelle? Vous pouvez essayer, bien sûr. Je suis vraiment désolé de vous déranger. C'est parti. Ouais, je vais y aller après.
Ok, parfait. À tout de suite. Il a fini son rendez-vous, il va venir nous rejoindre. Pas de problème, vous voulez que je lui envoie la position ? Il m'a dit que de toute façon il va vous la demander. Très très bien. Et les gars, faut tous rentrer les véhicules là, parce qu'il y en a trop aussi. Johnny, regroupe tous les hommes, il faut qu'ils attendent les Lyonnais là. Tout le monde à la piscine, les gars. À côté du barbecue. Pourquoi je vois toutes les personnes là? Alors moi je range le véhicule parce que là c'est le bordel. Ben il a quoi votre frère? Non, j'ai entendu un truc à la radio bizarre, mais tout va bien. Tout va bien, il vient de m'appeler. Ah, j'ai peur. Non, mais oh, absolument pas. Bah alors. Franck, envoie-moi ta position, bouge tes couilles là. Putain. Oui, bah oui. C'est fait. Aïe. À la piscine. Bah, j'ai le milieu qui s'est invité chez moi. Ah, magnifique! Très utile de m'avoir demandé de vous amener ici. Mais pas vraiment, il va me le voir aussi. Ouais, je vais pas remettre en question les ordres, mais je me demande pour le coup. Je pense que je vais monter avec lui dans le véhicule. Je vous en prie, faites donc. En tout cas, c'était très gentil de votre part. Avec plaisir, très chère dame. Bonne soirée, monsieur. Retourne avec les hommes à la piscine, là. Ils t'attendent, Franck. Retourne là. On va avoir la visite des Lyonnais, donc tu attends là, ok? Thank you.
cette histoire et du coup ils ne sauront pas qu'ils ont fait une erreur et qu'ils vont devoir arrêter de faire ces erreurs. J'espère bien que quelqu'un va lui faire comprendre ça. Bah les deux ou même le troisième. Hein. Et le troisième ils vont lui faire comprendre quand il va revenir. Ah ouais ouais, ouais c'est pas. Tu vois quand il va revenir je vais lui parler. Voilà. Ouais, ça c'est sûr ça. Vous savez la meilleure technique c'est une montagne, des habits en moins, une petite balle dans la jambe et une petite marche à pied. Ouais je sais. Non, il a un peu sadomaso mon collègue. Permettez-moi je vais juste boire. Retenu. Moi, c'est ça qui m'attriste le plus en fait, c'est que ça touche à l'innocence. C'est ça. Comme je dis, on se donne beaucoup de mal pour que les âmes de Bretonnie n'aient pas de problème. C'est pas pour que l'un d'entre eux. Bah, c'est ce que je disais justement aux deux qu'on a pris à part, c'est que nous on est sur l'opium de 7h à minuit, ils peuvent pas nous dire ouais, on vous cherchait sur l'opium, c'est pas possible, on protège l'opium tous les jours. Bon sang. Jusqu'à minuit, t'es gentil. Hein. Ouais, je suis vraiment très gentil. Très gentil. Ouais, vous êtes très gentil. Hein, très, oui, très mais c'est pour imaginer la chose pour dire qu'on est vraiment presque à 24 dessus, quoi. Excusez-moi de vous poser la question, mais oui. Je crois qu'il y a un des ordures dehors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les poubelles. Et c'est, oui, c'est les éboires, ils doivent passer. Ah, fort bien, fort bien. Ouais. Quand je fais de l'opium. Ce matin j'ai fait de l'opium, bah, cet après-midi. Et quand je vois un mec, je lui demande pour qui il travaille. Ouais. Voilà pour savoir. Et il m'a répondu la pègre. Et comme j'ai vu aujourd'hui, j'ai su que maintenant. C'est toi sur Reddit. C'est toi le message sur Reddit. Ouais, ouais. Vous me cherchez et... justement qui c'était. Ouais, c'est moi. Et c'était pour savoir, qu'est-ce qu'il faut lui dire. En tout cas, après. En fait problème, là pour l'instant le problème avec la pègre qu'on a c'est qu'ils sont en stand-by par rapport à l'opium mais on comprend pas pourquoi il y a encore des mecs qui travaillent pour eux. Clairement, nous on leur a dit qu'on voulait plus d'eux sur l'opium tant que leurs affaires personnelles sont pas réglées. Parce que les problèmes, ils nous ont promis qu'ils iraient. Attendez, j'arrive Hermano, j'ai une affaire très importante, faut que tu fasses attendre les Lyonnais, j'arrive, ok. Ok, ouais je comprends. Et on leur a demandé d'arrêter tout ça et de plus y passer. Donc si vous venez de me dire qu'il y a encore des personnes travaillant pour la pègre sur notre point, et ben on va devoir aller retourner voir la pègre. Vous en dites quoi? Ouais, je crois en fait, j'ai mon idée là-dessus, parce qu'ils nous ont bien explicitement dit qu'ils ne toucheraient plus à ça. Donc nous, on pense que... Moi, je pense que c'est les rêves aussi lumières. Voilà, les révolutionnaires. Ouais, parce que ça m'étonnerait que les gros aient besoin d'aller... Ils ont besoin de l'argent pour avoir des armes. Tu vois. Alors que les gros ils ont déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'était un petit, mais donc la pègre en soi, ils y peuvent rien si c'est ça. Et c'est pour ça que dès que t'as envoyé le message, j'ai essayé de tourner un peu plus tard parce que j'étais tout seul à ce moment-là. Une demi-heure après, j'ai des collègues qui m'ont rejoint et on l'a malheureusement pas trouvé cette personne. Ouais. Mais c'est bien de l'avoir dit parce que c'est pas normal. Après, quand même. Pas 100% sûr que maintenant c'était vous qui gérez le point dedans. J'ai les sorts, puis j'avais une arme à feu et tout. Je vais pas faire de problème. J'ai dit, vas-y, je te laisse. J'ai dit, ok, pas de soucis. Raison. Ouais, voilà. Vous avez bien raison. À partir du moment où le message est communiqué, on s'en chargera. Ouais, voilà. Exactement. Dites-en le moins possible et ouais, essayez de comprendre pourquoi il est là. Puis une fois que vous êtes parti, un petit message dans Reddit, c'est la meilleure solution. Voilà, enfin. Tout à fait. Je vais faire ça maintenant. De toute façon, quand je vais à l'opium et que je vois un mec, je lui demande pour qui il travaille, puis c'est tout après. Parce que on va prendre l'exemple que vous nous donnez, on reçoit ce genre de message, nous, on va devoir venir pour vous donner un coup de main. Parce que vous êtes sécurisé par rapport à ça. Ouais, ouais. Si ce genre de personne pose réellement problème lorsque vous êtes là, c'est pas la même chose que si elle vous dit juste ça et qu'elle s'en va. Vous voyez? Ouais, je comprends. C'est pas les mêmes réglementations qu'on a, nous, chez nous. Ouais, ouais. Si vous avez pas eu un problème avec eux, on va juste chercher à comprendre ce qu'il se passe réellement et on regarde de notre côté. Ok. Ah, merci pour l'information. Y'a aucun souci. Non, c'est juste une petite question comme ça parce que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est pour ça. Non. L'opium, c'est le milieu pour la ligne maintenant. Ok. Pas de soucis. Et si quelqu'un d'autre vous dit qu'il revendique, bah faut tout de suite nous le dire. Ah ouais.
J'arrive Armando, 2 minutes, je suis là, tu l'as dit, 2 minutes. Oh là Franck, ça va? C'est le loup. Oh. Ça va et toi? Ouais, ça pouvait aller. Tu sais que t'as pas le bon masque? Si, j'ai le bon masque. Non. Ah bon? C'est pas celui-là, tu es pas en demande, tu es sbire. Ah d'accord. C'est pas tout à fait cette forme-là. Eh ben tu demanderas à Tony, alors c'est lui qui m'a dit de mettre ça. Le boss? Bah ouais, c'est le boss, moi j'ai... Je prends pas d'initiative. En fait c'est le bon masque mais c'est pas le bon peinture, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce que je te dis. Ah c'est le boss, Tony, oui, t'es oui. pas encore là. C'est pour ça. Mais fais vite quand même, sérieux, là, c'est un peu de bah, compte. Sinon, si toi as été monté en grade, j'étais pas au courant. Bah, je sais pas, il m'a dit de mettre aussi dans. Il a pas eu trop le temps, quoi, on va dire. On m'a appelé. Après, si jamais j'ai compris de la merde. Non, autrement. Dès qu'un homme il monte en grade, normalement, sur le radio crypté, ça se voit. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu comprends pourquoi je te dis pour le moment non? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas l'information sous les yeux, tu vois ce que je veux dire? Pour le moment, moi. Je sais pas, il m'a dit ça, il m'a dit machin et tout, et toi, tu prends le sourire ou je sais pas quoi. Après, si j'ai compris de la merde, je mettrai les larmes, mais. Je lui poserai la question avant de te dire un connard, il t'était. C'est juste que normalement, si l'information était passée, ça aurait dû être actualisé, tu vois. Ouais, je sais, je vois, je comprends. Et après, bah, écoute, si tu lui demandes et. Ouais, voilà, bah, tu lui demandes et si j'ai compris de la merde, je mettrai les larmes. C'est Carlito, ça. Oui, oui, c'est ça. Carlito. J'ai étrangement un doute. Il est parti de dos, je crois. Mm-hmm. Il vient devant la piscine. J'ai étrangement un doute, mais. Oh putain, je suis bête. C'est bizarre, le masque ça change grave ta voix. Non, je mangeais, tu me voyais pas. Eh d'ailleurs, t'as des grillades ou quoi? J'ai un peu faim. Des grillades? Ouais, ou un hamburger que je peux mettre, t'as vu, sur le feu là, bah, j'ai vraiment très faim. Tu genre. Regarde juste là, j'ai un très très gros saucisse. Non, mais ouais. ça se mange pas, ça me donne pas, tu vois. Ça se mange, mais ça fleurit pas, on va dire. Et même ton jus, à la limite, tu vois, ça peut me donner à boire, tu vois, mais pas me nourrir. C'est pas possible. Oh merci, c'est généreux tout ça. Prends bien d'un maillot. Tu viens de là, tu peux? Tu es sûr, hein? Ah, je rigole, vas-y, Titi, il aime ça. Vas-y. Si, tu veux de la maillot sur ton front? Sur ton beau masque? Tu veux un petit peu de mayonnaise? Ça manque de peinture blanche, je trouve. Tu veux? Tété. Ah, bah il dort, hein, Titi. Attends, je vais le mettre le dans l'œil. Tu vas voir. Ah, marchez pas. Attends, je crois qu'il y a un petit problème là. J'ai l'impression, oui. Bon, on m'a tout le temps dit quand il y a un problème, il faut l'enclencher. Hein. Comment ça? Ah, t'as vu, tout à coup, quand je parle de l'enclencher, ça se réveille. Hein. Quand j'ai entendu l'enclencher, j'ai paniqué. Dis-moi, Tété, tu veux un petit peu de peinture blanche sur ton masque? C'est trop noir, je trouve. Non, mais t'inquiète, non, j'aime bien le vert. Fais maison la peinture noire, la peinture hein, blanche. Évidemment. On parle couche. De la même peinture blanche là ou. Ah, je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça a rapport avec ta saucisse de tout à l'heure? Je te fais un rectangle maison, c'est tout. D'accord, mais non, merci alors. C'est pas pour moi. Peut-être que Diego il aimerait ça, tu sais là. Ouais, t'aurais dû lui mettre sur son front quand il était par terre à Diego. Maintenant il est dans les poubelles, il dort. Attends, comment ça? Notre Diego? Si, c'est plus le nôtre, hein. Moi je le connais pas. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par le nôtre? C'est pas un autre Diego, c'est celui qui était chez nous. Ouais, oui. Si. Attends, mais pourquoi? Tu peux me donner les infos s'il te plaît, Galto? Ah, mais t'étais pas là? Ah, mais t'es pas au courant? Ah, mais en fait, c'est Diego qui a tout monté et c'est lui qui a foutu le bordel. Je t'explique vaguement la chose. J'étais en mission très, très, très spéciale pour le boss. Ok, t'aurais dû me prendre. Je rigole. Je peux te prendre maintenant si tu veux. Oh, tu sais... Non, je plaisante, je t'embête, c'est une blague. C'est de très mauvais goût, j'avoue. Mais du coup, non, mais surtout dans 20 minutes. En gros, je vais t'expliquer. Tu connais l'histoire de base ou pas? Ben moi, Diego, il m'avait dit qu'il y a des types qui se faisaient passer pour eux, je sais pas quoi. Ouais, en gros, mais moi aussi ça m'a paru flou, bref. En gros, il m'a demandé de venir avec lui pour attraper un mec qui se faisait passer pour lui, d'accord? Oui, donc ça, on allait attraper, je l'ai pointé, je l'ai amené ici. Il y avait le Marseillais qui disait que lui s'était fait passer pour Diego, justement. Et après, en fait, on a appris que tout ça c'était un coup monté de Diego parce qu'il avait mis à l'envers je sais pas quoi. Il avait donné au Marseille le point d'opium ou je sais pas quoi.
Et contre ça, les Marseillais disaient que en fait c'était lui qui se faisait passer par Diego, alors que c'est pas du tout vrai en fait. C'est Diego en gros qui a monté tout ça. Ah, et du coup il a donné le code et tout, Diego. C'est lui qui a tout donné. Oh, et du coup son frère s'est chargé de son cas. Et du coup les Marseillais et lui on les a mis à la poubelle, tu vois. Ça aurait dit de le mettre. Ouais. Ah non, le boss était très énervé, heureusement c'est pas lui qui s'en est occupé, parce que sinon le corps était déchiqueté, je pense. Oui, il l'aurait tué, oui. Je connais mon frère, il l'aurait tué. Il a gardé son sang-froid, il a dit Pablo, tiens la batte, fais-en ce que tu veux. Et je peux te dire, il a bien défoncé la gueule, hein, Pablo. Ouais, écoute, je peux comprendre. De la trahison entre frères, je comprends. Du coup, voilà. On est très fidèles dans la famille, mais. Ah oui. Là, la trahison, je comprends qu'il l'a mal pris, Pablo. Ah bah ouais, c'est ça. Maintenant, Diego, bon voilà quoi, il va falloir faire attention, hein. Les gars, vous êtes combien, Radio, là? Eiswald, présent. Franck, viens, je dois te voir, je dois te parler. Eiswald, Glendou. Attends, je suis tout seul, t'inquiète pas. Il y a moi et il y a Carlito et Titi. Nickel, attendez un peu les gars, on va parler. Hermano. Je dois te demander conseil plus que jamais, mon consigliere. Dis-moi. La dame en noir. Oui. Il m'a proposé de devenir le nouveau boss de la pègre. Tu rigoles? C'est une blague? Non, c'est pas une blague, hermano. Elle m'a proposé d'être le nouveau boss. On hérite de tout l'armement, de toutes les propriétés, de tout l'argent qu'ils ont. Tu rigoles? Je rigole pas, hermano. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Elle me demande de l'épouser. Ça reste entre toi et moi et Johnny. Pour le moment, je n'ai pas pris ma décision. Je dois lui donner ma décision demain. Je dois l'épouser, hermano. Et. L'épouser. La marier, hermano. Et toi, je te mettrai au rang de consigliere de la pègre. Et on deviendra une des organisations les plus grandes de toute cette ville. Alors, tu m'excuses de te dire ce que je vais te dire. Mais... Parle tout bas. Cormano. Alors, écoute, soit c'est une aubaine pour nous, et dans ce cas-là, j'ai qu'une seule chose à te dire, ne serait-ce que pour toi-même. Fonce. Auquel cas. Et bravo surtout. Attends. Ah, celle-là, tu l'avais pas vu venir, hein, Cormano. Si jamais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Non, je te promets, c'est pas une blague. Ça me paraît gros. Non, y'a rien de gros, hermano. C'est pas une blague. Écoute, je te le souhaite. Qu'est-ce que tu as tapé ton petit doigt de pied dans le coin du lit? Ouais, je me suis fait mal au pied là, putain. Oh, qui a de la mettre là? Putain, je suis accro à la mettre. Qui a... T'as pas envie? Oui, on discute tranquillement. Ok. Non. Et ils ont fait pipi sur les messieurs. Non, mais ils ont bien raison. C'est des sauvages, mais on va pas faire attention. Ils ont raison. C'est bien. Ok, alors c'est Lionel, il faut attendre. Oui, c'est comme je disais, ils sont en course poursuite. Ils sont pires que des femmes, ceux-là. Vous voulez un petit remontant, monsieur Tony? Titi! Ah putain! Et la barillette! Ah, parfait, ça. C'est ta mouise! Ah, c'est pas moi! C'est ta mouise, je dois me faire décrocher la patte! Et arrête avec ça! C'est la chaise! C'est ma bite, elle pendouille! Non, elle pendouille! Je l'ai laissé très calme! Tu veux voir? Non. On parle plus de saucisses là, les gars, c'est une batte de baseball, bordel! Une batte? Non, ta batte de baseball à côté, c'est un petit jouet! Ah oui! Putain! Anaconda 3! Il mord aussi. Le retour. Ah, il te bouffe entier celui-là. Ah ouais. Ah, c'est oui. Les serpentiers qui mangent les humains là, qui les mangent entiers, tu sais. Ah oui, te gobe. Je peux commencer à parler, les bordels là. Serpent mangeur d'hommes. Attends, je sortirai le nom des serpents mangeurs d'hommes, attends. C'est Boa. Ou Anaconda. Ah oui, c'est ça. Boa. Il te croque tout cru. Comme ma. Ouais, on ne finira pas cette phrase. Mais vas-y, on compte. Oh, dis-moi, Franck, t'as pas 85 dollars? Je suis en négatif sur mon compte.
Tu vois tout ça de la thune. Parce que c'est toi que tu m'as dépanné, hein, tu as le droit. Merci toi. De me donner 85$ alors que je t'ai dépanné 10 000. Bah, écoute, tu me demandes 85. J'attends. Écoute, je veux bien 1 million. Oula. Mais j'attends toujours mon verre. Ça a été un petit peu compliqué là ce soir au cas où. Ce soir, c'est vrai que c'est compliqué. Complicado, complicado. Allez, va. Oh là là, bénéfice de 15$ là, c'est bon. Ah, je suis bon prince. Ah, mais ton bon cœur. Pour 15€, je suis bon prince. Ton bon cœur te perdra. Oh, oui, ça finira par me tuer, oui. Maintenant, je suis à 8€ dans mes poches. Ah, désolé pour ça. Clochard. J'ai un peu dans. J'ai 10K à la banque, t'inquiète pas. Eh ben putain. À la banque ou chez toi? Dis-nous tout. Il a pas de maison. Il est dans la voiture. Mais dans la voiture alors. Et le banquier, je te garantis qu'il touche pas un centime. Sinon tu le butes. Ah, oh, tu comprends vite, tu es perspicace. Carlito ? Ouais, tu me dis. Vous êtes où ? Qu'est-ce que je veux dire ? Ça, c'est le million, ça, en blanc, d'accord ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il branle là encore ? Je comprends rien, là. Ça papote. Ah, ça papote. Et les Lyonnais, c'est qui, en fait ? Parce que... Bah, tu vas les voir, ils vont arriver. Mais Franck, par contre, ils font quoi les Lyonnais ici? Genre, ils vendent des armes, ils font quoi? Ils sont sur des points? J'ai jamais entendu parler d'eux, vite fait quoi. Moi non plus. Moi non plus. Ah, d'accord. On m'a dit qu'on les attendait. Écoute, tu sais, je suis censé avoir toutes les informations. Mais apparemment, je dois courir après, tu vois. Elle devrait normalement remonter à moi toute seule pour que je puisse faire mon travail correctement, tu vois. Sauf que je suis obligé de courir après. Ouais, mais là ce soir c'est le bordel là aussi. Hein. Ouais, c'est regarde, t'es parti faire la mission que tu m'as dit là. Ouais, voilà, ça a été le bordel. Hein. D'ailleurs, ça devait être important hein, parce que. Surtout, vous ne posez pas de questions sur cette mission. Ah non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pose pas de questions, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, si c'était cool, mais je pose pas de questions. Ah, ça s'est bien passé, mais à part ça, c'était les gars. Rien, okay. Rien, tout va bien. Ah, il parle de sa mission top secrète. C'est une mission ultra secrète et c'est pour ça que j'étais pas là avec le milieu. Et qu'il n'y avait pas d'informations supplémentaires à demander. Mais c'est quoi la mission secrète? Toi, tu as du courage. Ça, j'ai du courage. Ah, tu veux le savoir, c'est pas moi qui vais te le dire. Le boss, il m'a mandaté, je. Ah, mais il m'a demandé de rien dire. Le boss, je suis au courant, hein, t'inquiète pas, Franck. Ah, ouais, tu es au courant? Bon, mais c'est bon, alors t'as pas besoin de me demander. Bah, si, mais c'est quoi la mission? Tu veux qu'on s'écarte nous Franck, c'est ça? Non mais il est au courant. Je sais pas, il demande la mission. Je suis au courant. Mais c'est quoi la mission? Attends, vous êtes en train de faire des secrets, je mets une balle tête chacun. Mais on fait pas de secrets. Pas du tout. C'est toi qui comprends pas, j'ai l'impression là. Non. En gros, Franck nous disait qu'il est parti en mission secrète pendant qu'il y avait le milieu et qu'on devait pas poser de questions parce qu'on sera pas et voilà quoi, il faut pas poser de questions sur ça. C'est ça. Tu veux l'information, tu demandes au boss. J'ai mal dormi. Non mais je l'ai su avant toi Franck, calme-toi. Bah voilà, bah alors pourquoi tu me demandes c'est quoi la mission? Je la dirai pas. Mais tu la diras pas, mais je la connais avant toi. Ah bah alors pourquoi tu me demandes? Voilà, et la balayette encore, du chibratiti, putain c'est pas possible ça. Pourquoi tu me demandes de l'information si tu l'as eu avant moi? Ça a pas de sens. Réfléchis. Ouais. Il a essayé de me piéger, je crois. Et là, celui qui vous a piégé, c'est Diego, bordel. C'est Diego, c'est lui. Ouais, ça, par contre. Du coup, j'ai failli le soulever, les gars. Ah, mais. C'est bien foutu notre gueule. Personnellement, je l'aurais tué. Il a ramené 4 mecs, hein. Si on n'avait pas lu les messages. Franchement, les gars, Pablo, c'est un bon, hein. Je vous jure. Il a gagné confiance en moi. Hein. Enfin, en mes. Ouais, bref, tu as compris. Il est monté dans ton estime. Voilà, il est monté dans mon estime, c'est ça. Mais John, tu sais pas quelque chose sur les Marseillais? Que j'ai dit à Tony, c'est pour ça qu'ils sont mis à quatre pattes et qu'ils ont pris les tarifs. Hier, c'était eux qu'on a vu. Où ça? Tu sais la réunion qu'on a eue juste après toi? Juste après que t'ailles dans ton appart dormir. Et ben c'était eux deux. Ils sont venus se présenter, les grosses couilles, bref. Avant et ils disaient, ouais, on fait... Que des petits métiers, genre le bus, tout ça, oui. Rien d'illégal, on connaît aucun point et tout. Mais j'ai dit, Tony, tu te rappelles que là. Quand ils sont arrivés au portail, j'ai donné quoi comme coloration de temps?
Oh mais non, mais moi j'ai déjà dit à Tony aussi, hein, j'ai dit c'est les deux métiers. Tu te souviens, Miguel, du type qu'on a foutu dans la piscine à la table là-bas et qui voulait pas donner sa carte d'identité? Tu te souviens de lui avec son... Ouais, Louis. Louis. Non, non, pas lui. C'est lui? Il s'appelait Fresh, le gars, je crois. Ah oui, il avait un maquillage, il avait un maquillage de tête de mort. Il était là ce soir. Ah mais c'est lui. Oui, c'est lui. Ah mais du coup, c'est... ah mais je viens de pisser dessus, du coup là. Voilà. Et oui, c'est ça. Hier, il est venu nous voir avec son collègue. Ah ouais. Tu essaies de la mettre à l'envers. Aïe aïe aïe. Ah oui, mais malheureusement. Hein. Et c'est eux qui sont à l'envers à l'heure actuelle. Hein. Ouais, moi je pense qu'on aurait dû les amener au cimetière. Hein. Ça serait plus vite. Hein. Ah ça. C'est pas moi qui prends ces décisions. Après, voilà. C'est pas lui qui les a défoncés à la botte. Ah, il a dû s'amuser, il avait besoin de s'amuser. Ah, il a fracassé. Ah, ça a dû lui faire beaucoup de mal de se sentir trahi par son propre frère. Ouais, et le Parsi, il a dû se défouler dessus. Il aura un petit coup chacun, c'est beau. Bon, après, je vais voir ce que ça fait là-bas, les gars. Vas-y. Moi je vais partir à 30 pour rentrer, je vais pas rester. Bah moi je j'ai personne qui va dormir, les gars. Ouais, ah, bah face, voilà. Hein. Mais allez, qui part là. Il m'a entendu, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah, vous êtes pas obligé de me faire. Le balai a été synchronisé, c'était pas obligé. Ah mais tu l'entends lui. Ah mais j'avais pas vu qu'il y en avait un là. Mais lui il a un problème, je vais le remettre aux poubelles, je sais pas ce qu'il branle là. Les ordures à la poubelle. Exactement. Et Diego, il dort devant là-bas. Il est à la poubelle déjà, il a sa place ce bâtard. On l'aura tous mis dans la poubelle, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ah. Il faut faire attention, t'as un testicule sur ton menton. Je crois qu'il y avait un couille qui dépassait. Ah, t'as regardé hein. Ah, j'ai pas regardé, je l'ai t'as vu. Regardé, je l'ai vu claquer sur sa joue. Ah, ça. Je l'ai vu claquer sur sa joue, ça faisait pac pac. Écoute Franck, je crois que j'ai des doutes, ça y est. Des doutes sur... Bah... vers où tu te diriges, quoi. Ah moi je... Tu te fais des... Voilà, la poubelle. Ah, je sais pas, Franck, Tu feras attention, mets ton masque, crois... toi, ils sont là, ils sont ouais, tous là. Ouais, j'en peux plus, j'en peux tu plus. Tu feras attention, je crois qu'il y a une des couilles de la poubelle qui est tapée sur ta joue. Bon, écoute-moi bien, Franck. Je vais le ramener, je vais te bifler avec sa queue, d'accord. Tu es sûr? Je vais le chercher. Tu es sûr de ça? Oui. Ah Franck, arrête tes couilles. Arrête ça. Franck. Attention parce que la balle après te revenir dans la jambe. Hein. Les mains à balle, t'inquiète. Hein. Ah ouais, elle va faire le tour de ta tête et me revenir dans la jambe. Eh oui. Non, comme ça, je la fais. Pouk. Attaque. Mais ils sont là en fait les Lyonnais, je crois. Je dirais rien compris. Qu'est-ce qu'on fait, il y a des custos, il y a des costumes gris, des costumes blancs, rien compris. C'est partout, allez les Bahamas. Attendez là. Ah, 4 ou 5, 1 million de pièces, je me rappelle que ça m'avait coûté la peau du cou là. Fusil est pas là, dis pas fusil. De quoi? Le fusil est parti en recrutement. Putain, mais tu es trop beau! Mais oui, mais justement, il va aller passer propre. Ah, je te remercie. Tu es trop beau, putain, je te reconnais plus là. T'as pas compris? Putain, franchement, je te le jure, tu as trop la classe. Merci beaucoup. Bon, alors, il passe là. Hein? Attendez, j'ai une question. Moi, je l'ai, ouais. Vendredi, on va faire l'événement ou pas? Vas-y, y'a des nouvelles pour les. Ouais, bien sûr qu'on va faire l'événement. On va le spam, mais. On va y aller tous ensemble après. Je vais tenter. Ouais, parce qu'on n'est pas non plus. Tente une dernière fois si, et. Si on n'a pas de réponse, les gars, on laisse ça là et on retourne. Toujours pas bon, frérot? Je t'envoie le. Ah, bah il me rappelle, il a dit. Ouais. Je t'envoie la peau, c'est bon? Nickel, je t'envoie ça direct. Bah, appeler en radio là. Putain, ça va faire partout, c'est ça comme tu dis là. Putain, c'est quoi? Monsieur, en blanc, s'il vous plaît. Je peux me faire mettre un petit question? Ouais, je peux, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont arriver. Et quel poste, s'il vous plaît? Est-ce que mon chapeau vous pose un problème ou. Tu peux, au pire, tu peux faire venir quelqu'un. On est des millions en vie, Tony, le chapeau. Ah,
C'est que vous savez, si je propose, je voudrais pas avoir de problème parce que vous avez un si beau chapeau. Il y a pas de problème avec ça. Très bien, c'est parfait, je vous remercie. Faut excuser mon frère, il est plutôt poli et avenant. C'est très bien, j'apprécie. Ça fait partie de son caractère. J'apprécie. Malgré qu'il soit pas au poste au gradé, il peut pas s'empêcher d'être gentil et avenant. Après, c'est tout à son honneur. Exactement. Tu sais, je suis quelqu'un de très gentil. Oui, qu'alors et... Ils arrivent là, j'ai envoyé la poste. Ça marche. Exactement, ça marche tout aussi bien comme ça. Ouais, je comprends. Exactement. Et il y en avait un chez vous que j'aimais bien aussi avec un masque de gorille là. Non, pas un gorille, une sorte de yeti là. Il est toujours chez vous? Il est mort. C'est pas vrai. Il est là. Ouais. Vous êtes sérieux là? Non. Oui, sérieux, très sérieux même. Oh putain de merde. Il est parti rejoindre les étoiles. Oh le pauvre. Parti en enfer. Il est à côté de Johnny. Vous l'avez pas mis à l'envers ou pas? Non. Non. On doit tous payer de nos erreurs. Hein. Ah, c'est ça. Fait pas un métier facile, hein. Exactement. La cause est je vais aller chercher Doux, je reviens. Ouais, ça marche. Normalement, il y a une... Attends, normalement, il y a une Mercedes. Ils avaient laissé une Mercedes devant. C'est bon, on va pas, les gars, vous êtes beaux comme ça. Ah, merci. On est bon. Tout va bien, vous pouvez reprendre, ça va. Attention que... Je sais que tes baloches sont lourdes, mais... Je peux refumer mon spliff. Eh ben non, il faut enlever le masque, sinon. Mets-toi juste un peu plus loin, là-bas. Viens, tu vas au canapé, tu t'assieds sur le canapé. Non, c'est bon. Ouais, tranquille, mais... C'est juste pour éviter que tu vois, parce que tu n'as pas de petits trous dans ton petit masque là pour fumer la journée. Eh non, je sais, j'en ai pas pour ça. Ça casse les couilles. Tu peux aller t'asseoir sur le canapé, personne ne te voit. Toi, tu peux fumer par là et pas moi. Quand il y a du monde. Asphalt. Chapeau, ça me dérange pas. Oh, chapeau. Tu peux l'appeler chapeau, mets ton chapeau, Franck. Ouais, chapeau. Moi, ton chapeau. Ah, voilà. Ah non, il y a un problème. Non, il y a pas. Non, mais je t'appellerai chapeau. Chapeau. Il va falloir dire que par le même masque que moi, tu vois, j'ai privilégié ma couleur, moi je veux personne d'autre avec ma couleur. Faudra que changer. Tu changes ton couleur si tu veux. Voilà. Non mais apparemment je suis un sbire donc bon. Je sais pas, écoute, j'ai pas encore pu lui demander, d'accord. Regarde, mais il a pris mal ce que tu lui as dit. Écoute. Non mais on attend après la réunion des... Oh ça... Oh chut. Si ça canarde. Vous entendez carnader là? Ça tire, hein? Oui, ça tire. Ouf. Oh là. Ouais, c'est vrai, je sais pas, peut-être chez les rouges. Ah, peut-être les flics, je sais pas. Oh, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des coups de mitraillette là-bas, là, ça. Oui, j'ai entendu. Il y a une fusillade. On sait pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai entendu. Mon frère, j'ai une question rapide pour toi. Tu as fait monter de rang Titi? Titi? Non, pas encore. Ah, pourquoi? Donc il a pas le bon masque. Il m'a dit que tu lui avais dit de porter le masque avec le petit sourire. Ah ouais, mais lui il va monter de rang, de toute façon ça oui, va se faire. Pour le moment, il va porter le masque. Non, mais laisse-le, de toute façon demain je vais redistribuer toutes les cartes demain. T'inquiète pas. Ok, les gars, moi c'est clean. Attends mon gore, voilà. Le boss il a dit tu me donnes ton masque et je pisse dessus. Non, c'est pas vrai. Asphalt, tu peux le garder. Asphalt. Ça va, t'as toujours le joujou, toi, hein? Ok. Oui, demain, les gars, vous m'entendez, les deux, là? Vous m'entendez? Demain, j'aurai une annonce très importante à vous faire, ok? D'accord. Ok. Très importante. On n'enverrait pas l'unité chercher les deux pouillés devant? Ça va beaucoup t'intéresser, moi, Romano. Si, ça peut se faire. Ça me plaît. Ah, tu vas voir. Franchement, tu vas pas en revenir. Je te promets, faut que je fasse ça avec ça? Ça non, j'ai pas. Voilà. Non, je vais là, t'inquiète pas. Après, je dis pas. Et on a aussi la gueule orange. Oui, parce que là, ça fait tache dans les poubelles quand même. Oh, gros tas de merde par terre. Là, monsieur, il a toujours une gamme au-dessus. Et vous voulez cogner dessus? Ah. Voilà. Ok, ils sont là, on a dans la visite, ils sont là, les hermano. Assurez ma protection là. Oh, je t'ai trompé, gros Tony. Le raptor c'est de chez nous. Ah ok.
Moi aussi je me suis dit, ils rentrent comme ça. J'ai besoin d'une confirmation quand tu dis aux hommes assurer ma protection sur mon arme. Là ça doit être. Ouais, bien sûr, Armand. Là c'est monsieur, je pense. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Grosse réunion, tout ça. Comment? Ouais, je dis bonjour. Non, mais t'es qu'à te prévenir. Ok, je vous propose d'aller en face. On vous suit, on vous suit. Dans les bureaux. Monsieur, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va, tout va bien. Et vous? Tout le monde va bien. Parfaitement, et vous? Impeccable, impeccable. On va devoir suivre monsieur là-bas. Ouais, ok, pas de soucis. Tous les hommes de la crime autour de la piscine, les gars. Après vous. Monsieur, je vous en prie. De bras droit, et le conseiller à ma gauche, à ma droite. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Vas-y, allez-y. Merci. Nickel. Tu peux rester à la porte, s'il te plaît. Ah non, mais c'est Pablo, ça. Pablo, ouais. Au pire, oui, il me faudrait un deuxième aussi. Oh, quoi que non, vas-y, viens. Ok. Voyez-vous juste par les forces, s'il vous plaît. Non, pour l'instant, on parle pas. Ok. Tout le monde est là? Ouais. Faudrait que tout le monde parle très fort, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Crotone, c'est moi qui vous reçois. Merci de nous recevoir. C'est également moi qui ai sollicité le milieu pour avoir une entrevue en votre présence pour clarifier certains points entre nous. Ok. Alors, je vous explique. Ce jour, j'ai reçu des menaces de mort par des gens qui ont remarqué un peu... on va dire notre ascension entre guillemets, et du coup ils m'ont donné une description de la tenue à laquelle on va dire un code vestimentaire à laquelle s'apparentent les personnes qui me recherchent apparemment. Okay. Apparemment donc il s'agirait d'hommes vêtus de noir qui se déplacent sur des motos noires avec des casques de moto à visière noire. Donc voilà, je sais pas du tout quel est votre code vestimentaire. Je sais que vous êtes un groupe puissant et influent, et je sais que vous êtes dans les contacts du milieu. Donc le milieu s'est proposé de provoquer une rencontre pour voir si éventuellement il s'agissait une possibilité peut-être de votre groupe qui est à ma recherche. Essayer de voir, trouver peut-être les raisons de cette chose-là, ou alors tout simplement si c'est pas vous qui me recherche, simplement alors le savoir et comme ça procéder par élimination jusqu'à ce que je trouve les personnes qui s'amusent à me menacer actuellement. À savoir que également Grotoni nous a fait part que ces personnes se revendiquaient comme les Lyonnais. Donc c'est bon, vous avez fini, je peux parler? Tout à fait, bien sûr. Voilà, donc moi je suis les Lyonnais, les personnes qui sont vêtues pareil que moi sont les Lyonnais. On tape que des banques. Et on n'a aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit dans cette ville. Les seules personnes qu'on recherchera, ce sont ceux qui nous feront du mal ou qui chercheront à faire du mal aux miens. Mis à part ça, moi, Grotoni ou quoi que ce soit, je ne connais pas. Je vous ai attrapé une fois. Je vous ai tout à fait. En tout vous donnant fait. De l'argent. C'est tout moi-même qui l'ai fait. Tout à fait. Je m'en rappelle très bien. J'ai insisté sur le fait que vous avez été plus que correct avec moi lors de notre première rencontre. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas une façon machin, mais vous avez bien vu qu'on vous a pas manqué de respect quand non, vous étiez petit chef. Pas du tout, parce que nous, je vous le dis clairement, les gens de la Delta Crime sont aujourd'hui des personnes qu'on recherche. Mais okay. À part eux, on recherchera personne d'autre, sauf s'ils cherchent la merde. Maintenant, okay, c'est intéressant. Par rapport à ce que vous me dites, les casques, les machins, c'est pas chez nous, ça vit pas comme ça.
Je suis vraiment heureux de l'apprendre parce que franchement, j'aurais pas voulu être recherché par un groupe de votre envergure, je vous le cache pas. Donc je voulais profiter des bonnes relations que vous avez avec le milieu pour être sûr de certain que j'avais pas de raison de craindre quoi que ce soit à ce niveau. Sinon j'aurais tenté d'arrondir les angles avec vous ce soir, c'était l'objectif de la rencontre. Et au fait, vous m'avez rassuré tout simplement sur ce point, donc je vous remercie d'avoir été aussi clair à ce sujet. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et c'est... voilà, sachez que nous avons pas vraiment d'ennemis ici. Nous, on a recherché la Delta Crime parce que ils ont attrapé des gars de chez moi, je sais pas pour quelle raison. Et justement, pareil que vous, j'aimerais parler avec ces gens-là et voir si c'est quoi leur problème. S'ils en ont vraiment, bah dans ce cas, on trouve en guerre, c'est pas un problème pour nous. Mais si on peut arranger les choses, tant mieux. Ça s'arrange pas, on les arrange à notre manière et on a peur de rien ni de personne dans cette ville. Et je pense que tout le monde l'a compris. Ça, j'ai bien cru comprendre. Ok, parfait. Alors, de mon côté, c'est plus que clair. Y a pas de souci. Et rassurant. Donc, de ce côté-là, on va dire que voilà, je peux déjà décocher une case de ma tête et tenter de réduire, de filtrer maintenant de plus en plus ma recherche. Mais j'aurais pu comprendre qu'une organisation dans cette ville se fait appeler la mafia lyonnaise. Donc ça, c'est rigolo. Que les mecs, ils ont pas les couilles de porter le nom qu'ils ont choisi. Moi, les Lyonnais, nous ne revendiquons jamais. Nous faisons que nos banques et nous revendiquons que à la police que nous sommes les Lyonnais. En dehors de cette ville, on essaye de faire le maximum d'affaires et aider ceux qui méritent d'être aidés. Parce qu'il y a tellement de clochards dans cette ville que je prête attention à personne. C'est tout à votre honneur d'avoir ce raisonnement. Mais et vos activités sont toutes aussi honorables. Précisément, laisse les poisons entrer dans cette ville. Et d'ailleurs, j'étais concerté avec le milieu pour leur faire comprendre que toutes les personnes qui pourraient nuire au calme et à la paix qu'il y a dans cette ville, il faut pas hésiter à les soulever et puis à leur faire comprendre qu'ils sont pas chez eux ici. Je peux vous confirmer que nous sommes dans la même direction. En tout cas, pour ma part, c'est dans cette direction que je me dirige depuis le début de mes activités et que je compte continuer à progresser. Bon, je sais que vous aurez toujours mon respect de par cet honneur que vous me faites déjà ce soir par votre présence. C'est un honneur aussi de nous avoir conviés à ce rendez-vous pour pouvoir parler comme ça. Je préfère parler avec des gens qui savent parler que qui sont là juste pour tirer. Ou... C'est clair, c'est clair. Mais après, voilà. Sachez que le groupe qui vous recherche, c'est pas nous. Parfait. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais pris votre carte d'identité, mais j'en ferai rien du tout, comme je vous l'ai dit. Et pour m'excuser, je vous ai même donné de l'argent, parce que c'était la mauvaise personne qu'on avait attrapée. Tout à fait, il s'agissait d'un mauvais concours de circonstances, on va dire. Voilà. Parfait, messieurs. Pour ma part, vous avez répondu parfaitement à mes questions, et ça a été parfaitement clair, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, sauf si vous avez d'autres questions à me poser, je suis tout disposé à vous répondre. Non, nous sommes... voilà, après si vous en avez d'autres ou si le milieu a quelque chose à dire. Est-ce que je peux créer un Reddit avec vous? J'aurais peut-être quelques petites questions à vous poser dans quelques jours, mais je vais pas le faire tout de suite, c'est pas dans l'ordre du jour. Mais je serais intéressé de faire ça en privé, si ça vous dérange pas. Attendez, il n'y a pas de problème, allez-y. Il y a une personne qui va venir vous. Les gars, celui qui peut gérer des Reddits, qui peut suivre le clown, s'il vous plaît. Et ici, c'est chez eux, c'est ça? Exactement. Pour le moment, ouais. Ok, d'accord. Pour le moment, ouais. Ok. C'est quoi leur nom déjà? La Crime. La Crime. Comme le rappeur. Je connais pas. Vous ratez quelque chose, monsieur? Oh, j'ai entendu trop vieux derrière. C'est parce qu'il est trop vieux. Qui a dit ça?
Balance. On réglera ça après. Je t'aime aussi. Moi aussi. Avec qui? Ouais, mais je vais pas tarder à décrocher parce que là il y a une scène en fait. Je sais que t'as envie de fumer. Je sais. Jakarta, pour Rennes, on est encore chez la CRIM avec les Lyonnais et c'est fini, là on va pas tarder à bouger. Jakarta, tu veux que je téléphone? Comment? Par contre, sautez, monsieur. Non, je pense que c'est bon. De toute façon, là, je pense que c'est fini, là. Ouais, en fait, voilà. Ok, monsieur. Ouais, voilà, ça a été créé. Je prendrai contact avec vous, comme je l'ai dit à vos dirigeants, enfin, vos coéquipiers, pour discuter de quelque chose qui je crois pourra croiser nos intérêts justement dans un avenir proche. Ok. Il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts aux discussions, il n'y a pas de souci avec grand heureux plaisir. De l'apprendre, heureux de l'apprendre. Mais sachez que vos lacets, il faudrait peut-être les refaire un petit coup là. Parce que... Voilà, c'est jamais. Merci. Simple. Donc c'est un honneur pour nous et puis au plaisir de. Tout l'honneur est pour moi, vous aurez de mes nouvelles. Ensemble. Je vous garantis que vous aurez de mes nouvelles dans les jours qui arrivent très très prochainement. Les choses vont changer, donc il faudra que je vous en tienne informé. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour le déplacement. Merci à vous tous, les gars, et puis faites attention merci, à merci vous à et vous à vos familles respectives, les gars. Merci gros Tony de nous avoir accueillis ici encore. Ah, merci à vous d'être toujours aussi collaborant et efficace. C'est un honneur d'être en accord avec le milieu. Franchement, je pouvais pas arriver mieux. Très très bonne famille. Ah, c'est clair que franchement, dès comme ça, on n'en fait plus. Exactement, rarement. En tout cas, c'est les gars, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vais de ce pas vaquer à mes occupations. Et ça a été un plaisir pour nous d'avoir pu échanger avec vous, de faire votre rencontre. Et sachez que voilà, par la suite, ça ne nous dérange pas s'il y a quoi que ce soit, n'importe quelle question ou autre. Si vous avez besoin de voir un contact ou n'importe quoi, on se tiendra disponible. Parfait. Ça me va complètement. Et dès à présent, sachant qu'on sait où vous êtes, où vous habitez, si on a quelques problèmes avec vous, on viendra vous voir directement. Donc, tous ceux qui c'est clair. Les Lyonnais vous cherchent, sachez qu'on sait où vous êtes. Donc, super, sachez ça que sera ça sera provisoire, mais je vous tiendrai très prochainement informé du changement. Vous inquiétez pas à ce sujet. Vous serez au courant de toute l'évolution. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Mais sachez que c'est pas nous qui vous cherchons. Okay. Super, je suis rassuré, j'aurais pas aimé. Non, mais y'a pas de soucis. J'aurais pas aimé que ce soit le cas, je dis la vérité. Y'a pas de soucis, les gars. Donc, du coup, je vous souhaite tous une bonne soirée, les gars. Prenez soin de vous. Merci également. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, les gars. Bonne soirée, alors. J'ai une affaire importante, j'ai besoin. Merci, bonne soirée. Toi, John, Jakarta, pour Eren. Les autres, vous pouvez tous disparaître. Part de chez Bretonneux, on arrive là. Merci de votre visite, monsieur. Puis ça va une voiture. Est-ce que nous avons l'autorisation de sortir un véhicule? Ah, vous êtes à pied? Oui, bien sûr, sortez un véhicule. Merci. Mais venez tous dans le Raptor. On n'en parle plus. Il y a un Raptor? Ouais, tous dans le Raptor. Vous n'avez pas voiture, vous? Non, c'est juste de reculer un peu. Attends. Vas-y. Au pire. Attends, je vais reculer, je vais le faire. On va s'en sortir. Non, 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 on va prendre une voiture. Ok, ouais. Anthony. Au revoir, senior. Merci Anthony. Beaucoup. Du coup, j'ai juste une petite truc à te dire. Bonne soirée. Si jamais tu tombes sur des mecs qui sont passés pour les Lyonnais, bloque-les. D'accord. Et on vient directement. D'accord, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je manquerai pas. Je manquerai pas. Si on peut les effacer de cette ville, ça sera tant mieux pour nous. Je manquerai pas, vous avez tout, pouvez compter sur moi. Ok, après, j'aurai toute mon attention là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ouais. Allez, au revoir, les gars. Salut.
Bon les gars, merci à tous de, d'avoir été là, c'est gentil. Non, rien. Ok les gars, franchement merci à vous, vous avez cartonné. Je vous annonce officiellement que bientôt, très bientôt, c'est une histoire de jour, tout va changer du tout au tout, tout pour vous tous. Je vous en dirai pas plus. J'ai pas envie de spoil. Mais on va faire un bond dans inimaginable, vous avez même pas l'idée là. Donc franchement, vous êtes pas prêts. Donc je vous remercie d'être aussi investi dans ce projet. Et croyez-moi que vous serez pas déçus. Eh ben parfait, on a hâte alors. Ah, oh, franchement, voilà. Croyez-moi, ça sera pas très long. Ça sera pas très long. C'est un truc dans le... Allez, vous cassez tout. C'est un truc blanc, c'est un truc blanc. Vous allez ancien. Voir que Groton, il en a dans le pantalon. Je vous dis que ah, ça a l'air. On espère, on espère. Ah, vous allez voir. Ouais, j'ai l'impression, c'est inquiétant. Les messieurs casque noir, on va les crever ou pas, Tony? Ah, vous allez voir, Raymond, vous allez vous dire, putain, je savais qu'on avait dans le pantalon, mais je pensais pas que c'était aussi large, putain. Bon, Tony, sors-moi la voiture, je suis pressé là, je vais pas demander. Okay. Ouais. Bon, les gars, moi je vais dodo, hein. Ouais, bon, vas-y, pareil, les gars, allez, à demain. Allez, tous au dodo, Tu veux pas besoin de moi et de bras droit? Je vais te parler intranet. Ok, pas de problème. Tout le monde tue dodo. Bonne nuit. Ah ciao. Oui, c'est vrai, il faut que je le remercie. Ciao. Ah, j'ai tout posé moi, c'est bon, posez mon pistolet et les balles. Ok, nickel. C'est bon, Franck, toi aussi. Bientôt, on battra les couilles de ça, tu vas voir, moi. C'est bon. J'espère. C'est bon. Hey. Oh, vous êtes pas prêts, les gars. Hein. C'est vrai, tant que ça? Oh, ah, oui. Ah, c'est d'accord. Bon, arrêtez, on arrête de parler ça, les gars. Tu fais chier, non? Mais faut chier. Faut attention, bordel! Allez, désolé. À demain, les gars. Allez, on vous laisse la surprise. Au revoir, les gars. Bisous. Allez, bonne nuit, au revoir. Après. Allez, on se voit demain. À demain, à demain les gars. Ah. Arrête avec tes croche-pattes, putain. Allez, voilà, c'est bon.